Des murs calcinés, la mosquée d'Al-Mourir a été ravagée par un incendie dans la nuit de mardi à mercredi. Un incendie qui a tout détruit sur son passage. Aucun mort, mais un spectacle de désolation pour les habitants d'Al-Mourir. Il leur rappelle un autre épisode, celui de la mosquée incendiée en 2012. Ce n'est pas la première fois que nos symboles religieux sont la cible d'attaques des colons. Je rappelle que le lieu le plus sacré, la mosquée Al-Aqsa, a aussi été visé. Aujourd'hui, le peuple palestinien passe par une épreuve. Nous devons rester solidaires et travailler ensemble pour garder nos terres. Les autorités palestiniennes accusent les colons et les activistes israéliens d'extrême droite. Cet incendie pourrait être une réponse au cocktail Molotov lancé mardi soir en direction d'une synagogue de la localité arabe de Shfaram. Pour les observateurs, l'attaque d'Al-Mourir pourrait exacerber les tensions en Cisjordanie. La Cisjordanie et Al-Quds vivent aujourd'hui une ébullition qui fait craindre aux observateurs une troisième intifada.